Bon bah je crois qu'on y est, hein. Le départ sur la plage pour la Crause. Ça y est, c'est fait. Je sais plus, 7205, je t'avais dit au début. C'est... Je dirais pas que c'est physique. J'ai fait une préparation incroyable. Je dirais que c'est de l'usure, et que c'est nerveusement, tu vois. Je me suis jamais retrouvé face à un obstacle où je me dirais, où je me suis dit ça passe pas. Tout passe. C'est des heures et des heures de moto à des vitesses assez impressionnantes, avec une moto qui bouge tout le temps. C'est quand même une petite prise de risque, une grosse même. Voilà. Si tu veux venir pour rouler, je préfère te le dire quand même, quoi. C'est pas non plus un truc d'enfant. Voilà. Sache-le. Mais c'est une aventure hallucinante à faire. Un petit mot sur ton Africa Eco-Race, mais pas un truc de pilote où tu remercies ta famille, tes sponsors, où t'expliques ta course, je m'en bats les couilles. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a au fond de toi. On est bien là. Non, bien, belle expérience, belle rencontre, des paysages magnifiques, des déserts de fou, c'est ça que tu es venu chercher aussi et c'est ça que j'ai trouvé. Ouais. Ça te fait pas chier de cramer de l'essence comme ça gratuitement? Non, moi j'adore. Et de traverser l'Afrique aussi vite, ça te fait pas chier? Non, justement on voit plein de paysages et il faut que ça défile pour en profiter. J'ai vu un paquet de chèvres qui auraient bien aimé se marier avec toi pourtant. Ouais, on avait des chèvres, des chameaux, des vaches, plein de choses, mais bon, il vaut mieux les éviter quand on est sur la moto. Dakar, Africa Eco Race? Enfin, les deux sont pas mal, hein. Là, on est sur l'Africa Race, donc on va dire Africa Race. Non, mais la différence. Ah. Mais l'Africa Race, c'est, je pense, plus convivial humainement. Et c'est vrai que c'est sympa. Il y a une ambiance qui est plus familiale, plus humain, plus proche, ouais. Qu'est-ce qu'on pense au fond de soi? Déjà, c'est un bonheur d'être là. Ça fait un an et demi que je le prépare, ce putain de raid. J'y passe 10 heures par semaine de sport. C'est beaucoup d'émotions, j'ai jamais fait de raid avant, c'est mon premier rallye raid. Donc mon premier rallye raid, partir sur un Africa Eco Race, c'est... Et le réussir, je finis 20e, c'est quand même pas mal. Parce que ça fait un an et demi que je le prépare. Et ça fait 2 ans mentalement, 3 ans que je pense que je vais le faire. Quoi. Ça fait 3 ans que tu fais chier tout le monde avec ça. Ah ben ma femme, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est grand temps que ça arrive au bout. Hein. Parce que j'y passe mes week-ends, j'y passe le soir à la débauche. Je me lève 1h30 plus tôt pour le préparer, ce putain de raid. Une raison qui ferait que tu le referais? Ben la raison, j'étais au bout. La raison sur laquelle j'aurais pu le refaire, c'est parce que j'ai pas été au bout de l'aventure. Là, je suis allé au bout et c'est une histoire. Cette histoire-là, j'ai pas envie de la répéter parce que j'ai été au bout de cet objectif. Le refaire, je ferai d'autres raids, mais pas celui-ci, je pense pas. T'as d'autres rêves? Ou celui-ci, il était vraiment... Non, l'autre rêve, il y avait le Dakar. Le Dakar qui a un nom, qui a une renommée. Mais maintenant, avec le recul, j'irai pas. Pourquoi? Alors déjà, parce qu'il est en Arabie Saoudite. Peut-être pour ça déjà, que j'ai un attachement beaucoup à l'Afrique. Ma maman et mon papa avaient construit une maison il y a 30 ans au Sénégal et malheureusement il est décédé le jour qu'elle a été finie et il traversait le désert quand il partait. Il fallait qu'il parte de la maison pendant un mois et il descendait jusqu'au Burkina Faso et il est tombé amoureux de Sali puis il a acheté cette maison. Donc il y a un attachement à cette Afrique. Et l'autre raison? Sportivement, tu te crois à la hauteur de faire un Dakar après que tu as fait ça? Je pense pas parce que l'Africa Eco Race, on a quand même dormi des nuits de 6 heures, 7 heures. Il n'y a pas des liaisons comme le Dakar. Je pense que le Dakar, les gars, à mon niveau à moi, qui vais mettre 9, 10 heures, 11 heures sur la moto parce qu'il y a beaucoup de liaisons, je vais la subir la course, je pense. Je pense qu'au bout du 6-7e jour, je vais la subir. Parce que on voit qu'aujourd'hui, on est sur des journées de 500 km. Sur le Dakar, avec les liaisons, ils sont sur des 800 km.
Donc honnêtement, je pense pas que je me ferais plaisir. Écoute, t'en arrives un peu à la conclusion que c'est une vraie course d'amateur ici. Ah, une course amateur bien préparée quand même. Non, non, c'est pas, je pense pas que c'est une course amateur. Enfin, je dirais pas ça. La personne qui va faire un Africa Eco Race, elle le fera pas en claquant des doigts. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, je pense pas. Il faut quand même avoir un peu de pilotage. Il faut bosser sous la nave. Non, non, l'Africa Eco Race, je pense que c'est pas une course à prendre à la légère. C'est quand même l'une des plus grandes courses du monde. Non, non, on n'est pas là au hasard. Il dirait quoi, Madou, sur l'Africa Eco Race? Ah, franchement, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a fait un beau parcours. Au Maroc, c'était un petit peu difficile avec les cailloux qu'on a eu là-bas, la poussière. Mais sinon, le reste du parcours, c'était top. Et ça m'a fait plaisir de rouler encore avec la même famille et de te retrouver dans les pistes. La famille, c'est important, ça. Ah, bien sûr, c'est la même famille. Franchement, on est de la même famille, on est des frères, on est des potes motards, donc voilà. Tu vois, je te l'ai dit, finalement, c'est un rallye touristique, c'est rien de plus. Une famille, une balade. Puis au fond voilà. De toi, va chercher un truc qui t'a pas plu. Exactement. Exactement, un truc qui m'a pas plu. Je sais pas, c'est Ashigaga quand tu m'as relevé. Plu, toi? Tu t'es aimé pendant cet Africa Eco Race ou pas? C'est pas que je me suis aimé ou pas, mais c'est un rêve en fait. C'est un rêve depuis que j'ai 15 ans. Je suis allé au bout, c'était mon objectif. Bah écoute, moi c'est ma deuxième expérience. Après une première expérience où j'ai eu un gros crash, je voulais absolument terminer. Donc voilà, j'ai terminé à l'arrache, on va dire, sans trop de soucis, mais je roulais à 50% de mes capacités. Une raison qui ferait que tu le referais? Non, je le referais plus, j'ai dit que c'était mon dernier, suite à l'accident du portugais, voilà. Clairement, c'est une discipline qui est extrêmement dangereuse, voilà, et c'est pour ça que moi je roule à 50%, je roule beaucoup plus à vue qu'avant. Voilà, le mythique Lacrosse, on y était presque. Ça avait été une aventure fabuleuse. 16 665 rushs tournés sur 4,78 teraoctets pour au final t'offrir plus de 6 heures de film. Faut me comprendre, j'ai du mal à appeler ça de la vidéo. Le tout sans presque jamais parler des leaders, qu'ils me pardonnent, mais de l'arrière de la course, des mecs comme toi et moi, de ces mecs qui ont bercé mon adolescence et mes rêves de Dakar. Alors une dernière fois, j'ai tourné quelques plans d'illustration de ces moments d'émotion, puis j'ai rangé mon matos vidéo pour moi aussi vivre tranquille la mythique arrivée de Lacrosse. Une première vague de départ a été donnée. Suivi de la deuxième, où Amaury et moi étions. Et là, il y avait deux façons de terminer cette belle histoire. Soit je te disais que rien n'était joué tant que la course n'était pas finie, soit je te disais que rien n'était joué tant que je n'avais pas gagné.
sais pas pourquoi j'ai fait un mélange des deux. Surtout, ne pas croire à un surcroît d'ego. C'était juste que je me sentais bien et que j'avais envie de vivre ce moment à fond. Fond de 6. L'hélico juste à mes côtés. J'ai surkiffé. Pas besoin d'en rajouter. Je ferme la voix off pour te laisser avec l'autre con. Ben oui, l'autre con, souviens-toi, celui qui avait pris le départ de la première spéciale au guidon de ma moto. Fin de cette aventure. Je pense que j'ai une clavicule, mais... Merde. Ou une acromio, non, je vais l'emmener à l'arrivée. Ouais, attends, je vais t'aider à la soulever, là. Vas-y, soulève-la. Clavicule ou acromio, au choix. J'aimerais bien aller jusqu'à l'arrivée. Comme tu le sens. J'aimerais. Vas-y, coule. Tu fais. Je sais pas, je sais pas dans ton corps. Non, mais corps, ça va, ou... ça va, ça va. Moi, je tiens à ta moto, c'est tout ce que je peux ça faire. Ça va, c'est juste que. Tu vois, quand tu accompagnes ton bras ouais. pour faire quelque chose, très mauvais signe. Okay. Clavicule. Alors, on s'est trompé en plus. Moi, je suis sorti à 13 km, je suis arrivé face au mec. Ok. Ah, ça pisse de l'essence. Attends. Putain, le joint, il tient plus. Ok. Ah, ça pisse de l'essence, ça pisse de l'essence. Il manque pas un joint, là ? Bah maintenant il doit en manquer un. Ouais putain ça tient pas. Si j'enlève, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est mort. Attends, je vais passer sur l'autre pompe. Ah merde! Oh putain!
On s'est pas fermé ce robinet? Non. Merci chef. Tiens, attends, doucement parce que c'est cassé. Cassé là ici. Là aussi il est cassé. Fais doucement. Vas-y. C'est quoi? Yes. Vous vous battez pas, hein, c'est à lui que j'ai donné. Hein? Auto is coming. I think a broken collarbone. Yeah, I'll let me. When you need to hand your hand like this, it's broken, yeah. Collarbone. Okay, go off the bike. I will move your bike. No, you can't because there's a leak, petrol leak. When you try. Okay. Is this arrival over there? Is this arrival? You try now. Okay. Give me a second. Yeah. It's not far away. I'd like to finish if possible. Yeah, I know. You want to finish, of course. Fucking broken collarbone. Three times. Yeah. I hope they don't have to operate. But no, okay. No. Collarbone you fly home with. Yeah. I have one of his collarbone bracelets you can borrow from me. Okay. Okay, try now. It's on. Change the tank, yeah. I can't drive it off. Wanna try to finish line? Yeah. Well done. Thanks. You reach the finish line. I deserve you a restaurant. Just did 200 meters downhill now. This is not finish line. C'est pas la finish line là ici. You're done. Il arrive au bout. Well done. Yeah. Scary thing. Fuck. Fuck. The last 200 meters. Fuck. I made.
I made the first crash of the rally, yeah. 400 meters, and I did the last one. I'm a record man. No, we stay of shitty things, but crazy. I'm a record man. Oh fuck. Tu veux laisser la moto là et t'en cours? Ah ouais, je peux plus là. Ouais, ouais. Au choix, je vais arriver voir la boucle. You wanna walk? I can take it on your bike. Back. Ok. Voilà, vous êtes en direct du lac Rose. J'ai fini. Ouais. C'est cool. Oh le con. Le con, je m'en veux. Tu peux pas forcer toi. Pour les garder un peu. Attends. C'est juste tu la mets de côté si tu arrives, hein. Non, là, pas. Je la lâche. Il est tombé, je pense qu'il s'est cassé les côtes. Ah, j'ai les côtes dans la clavicule alors. C'est ça, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est ça. J'ai les côtes dans la Alors on est dans le record absolu, hein. Chute 400 mètres après le départ et chute 200 mètres avant l'arrivée de la dernière spéciale qui d'ailleurs comptait pour du beurre. Je suis un champion du monde. Non, je viens de dire que j'étais pas un champion. Supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much.